Bonjour à tous, bienvenue sur Culture Gaming. On se retrouve aujourd'hui sur Animal Crossing New Horizon pour une vidéo qui va complètement changer de tout ce qui a été fait sur la chaîne depuis le début. On se retrouve sur Memento. Cette petite dame en noir que vous voyez n'est autre que Zabounette qui normalement est toute vêtue de rouge avec des cheveux rouges. Mais on ne sait pas pourquoi. Une nuit, sa maison s'est déplacée et s'est transformée, donnant lieu à la naissance d'un personnage des plus étranges. Elle va nous emmener dans sa maison qui n'est autre que le château Dimitrescu. Et oui, le château issu de Resident Evil Village. Alors, on a essayé de reconstruire tout ça au maximum en restant fidèle, en gardant les pièces coup de cœur. Et vous verrez, chaque pièce, je vous glisserai des petites images de Resident Evil pour que vous puissiez comparer. J'ai vraiment fait au mieux, j'ai passé presque une semaine sur la préparation. Et maintenant, c'est parti, suivons cette étrange petite Zabounette. Vous voyez déjà que ça devient très très glauque. Ultra glauque. Wow, ça, et un winter. Ça donne envie de rentrer dans la maison, non? Alors profitez du soleil et du quelques petites fleurs rouges qu'il reste. Nous rentrons dans le manoir Dimitrescu. Et nous arrivons dans le hall du jeu, le hall du château, celui où il y a l'énigme des masques. Donc nous avons, bah, comme à l'origine, des tableaux au mur, des statues de chaque côté, des masques à reconstituer, la petite servante ici. Et pour le reste, je vous laisse regarder. On va poursuivre notre avancée pour arriver dans le deuxième hall, celui de l'étage. Et nous y voilà. Alors la pièce étant beaucoup plus petite que celle du château, j'ai dû condenser. Je vous laisse profiter. Direction maintenant la salle du vin. Et la voici.
prend maintenant la direction de la chambre de Lady Dimitrescu. Il faut du courage pour y entrer, ça je n'en doute pas. Alors notre drôle de zabounette transformée et étrange va se tenter l'aventure. Alors nous allons rester silencieux pour ne pas réveiller Lady Dimitrescu et ses trois filles vêtues de noir pendant qu'on observe un petit peu cet environnement. Et avant qu'elle ne se jette sur Zabounette, on se sauve! Il nous reste deux pièces majeures du château à visiter. On va monter à l'étage et on se donne rendez-vous dans la salle à manger. Et la voici, sans lumière, je vous l'allume quand même pour profiter. Machine à écrire obligée hein, pour ne pas perdre notre progression. Ça serait dommage. Cheminée rustique. Quelle ambiance! On entend juste le bruit de l'horloge et de la cheminée qui crépite. Et maintenant, le dernier lieu. Ce sourire, moi, il me dit rien qui vaille, mais alors rien du tout. Et nous voici dans les catacombes. Reconstruction et fusion des catacombes qui sont très vastes dans le jeu. Ici, qui doivent rentrer dans une pièce, plein de petits détails que j'ai essayé de retranscrire. Je me tais, je vous laisse regarder ça. Thank you.
voilà, coincé dans les catacombes de l'enfer. On va quand même essayer de s'en sortir de là. Ben voilà, c'en est fini de ce petit tour du château Dimitrescu. J'espère que ça vous aura plu, j'ai vraiment mis tout mon cœur pour essayer de reconstruire l'univers de Resident Evil Village et du château Dimitrescu dans cette maison. On fait avec les moyens d'Animal Crossing. Je suis assez contente du résultat, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas du coup à me le dire en commentaire, à laisser plein de petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne, notre deuxième chaîne et notre chaîne Twitch. Et moi je vous dis donc à très bientôt et flippez bien.